like you were already mine. Surreal to me how you make me feel wild and calm at the same time. Never felt so alive. Thought I was crazy until I reached out and saw your hand there waiting for mine. Like the stars had all aligned. Et salut à tous, c'est Oji. On se retrouve à nouveau en live cet après-midi pour du Assassin's Creed. Je pense que je vais pas streamer super longtemps non plus. Je pense maximum jusqu'à 18h, 18h30, un truc comme ça. Donc ouais, cet après-midi, tranquillement, une bonne session d'Assassin's Creed, ça peut être pas mal. Et on va tout de suite lancer le jeu si ça veut bien. Hop, c'est encore le lancement. Du coup, hop, je vais quand même arrêter la musique parce que faire un retour Windows sur ce jeu, c'est un peu la merde. Voilà. Ah, j'ai fait un peu... Ouais, j'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Retour Windows, vas-y. Pas le choix. Donc le jeu arrive, hein, vous inquiétez pas. Juste la seule temps au passage. Ouais. Un petit peu en PLS ça, monsieur. Ok, très bien. Hop. Donc. Donc voilà, dans le temps des Templiers, on va tout simplement hop, lancer la session. Séquence mémoire 5, il me semble qu'il y en a 12 des mémoires, comme ça. Là, c'est vrai qu'on s'était encore arrêté là. Continuer. Pour éviter le combat. Lancez-vous dans une course. Oh, Altaïr, es-tu bien reposé? Non. Es-tu prêt à affronter de nouvelles épreuves? Non. Mais j'aimerais d'abord... Ah, Altaïr, il a dit oui. J'ai des questions à vous poser. Pose-les. J'essaierai d'y répondre. Le prince des marchands de Damas a tué les nobles qui régnaient sur la cité. À Jérusalem, le pouvoir de Majdadin était fondé sur la terreur. Guillaume projetait de tuer Richard et de contrôler Acre avec ses seules troupes. Ses hommes étaient là pour servir leur maître. Pourtant, ils ont choisi de le trahir. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. La réponse est évidente. Les Templiers cherchent le pouvoir. Chacun de ces seigneurs a voulu prendre le contrôle d'une cité en leur nom, pour que les Templiers eux-mêmes règnent sur la Terre Sainte avant de viser plus haut. Mais ils ne peuvent pas réussir. Et pourquoi ? Tout leur plan repose sur le trésor des Templiers, l'Orbe d'Éden. Qui est en notre possession. Sans le trésor, ils ne pourront arriver à leur fin. Quel est ce trésor? C'est la tentation. C'est juste un objet en argent. Regarde bien. Non. Que suis-je censé voir? Cet objet en argent a causé la chute d'Adam et Ève. Transformé un bâton en serpent, fait s'ouvrir la mer Rouge. Grâce à lui, Eris a provoqué la guerre de Troie. Et un pauvre charpentier a changé l'eau en vin. À le voir, on ne dirait pas qu'il renferme un tel pouvoir. Comment fonctionne-t-il?
Son possesseur peut contrôler l'esprit et le cœur de quiconque le regarde, ou de quiconque s'en délecte. Les hommes de Garnier. Une expérience. Ils ont utilisé des herbes pour simuler ses effets, pour être prêts quand ils l'auront. Dalal les approvisionnait, Tamir les équipait. Ils préparaient quelque chose. Mais quoi ? La guerre. Et les autres, qui régnaient sur ces villes, ils auraient rassemblé des soldats semblables aux hommes de Garnier. De parfaits citoyens. De parfaits soldats. Dans un monde parfait. On ne peut pas laisser faire Robert de Sablé. Tant que lui et ses frères vivront, ils seront une menace. Donc il faut les éliminer. C'est ce que je t'ai demandé de faire. Tu devras d'abord t'occuper de deux autres Templiers. Dans la ville d'Acre, cherche un nommé Sibrand. À Damas, un certain Joubaïr. Consulte les chefs de cellule. Ils t'en diront plus. Comme vous voudrez. Ne perds pas de temps. Tes agissements ont rendu Robert de Sablé très nerveux. Les hommes qui lui restent vont essayer de te démasquer. Ils savent que tu vas venir, l'homme au capuchon blanc. Ils te chercheront tous. Ils ne me trouveront pas. Je ne serai qu'une lame dans la foule. Tiens, voici mon cadeau. Pour te remercier du travail que tu as effectué. Alors c'est quoi notre cadeau ? Plus de santé, j'imagine ? ADN augmenté, ouais. Donc plus de santé. Ah, neutraliser la défense, nouvelle attitude. Vous pouvez vous entraîner dans la cour. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Histoire de voir. Qu'est-ce qu'il fait cet imbécile ? Essayez de viser juste. Le plus souvent, vous n'aurez pas le... On va voir comment ça fonctionne le truc. Il devrait cesser de se comporter comme un idiot. Il est là. C'est ce monsieur-là qui faut qu'on me parle pour l'entraînement. Altaïr, oui, c'est moi. Semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Tout à fait. Je voudrais... Hop. Savoir comment on fait ça. Faites un pas en avant vers l'ennemi et appuyez immédiatement sur le bouton 0 pour lui faire baisser sa garde. Ah ! Quelle maîtrise ! C'est juste ça. Regardez, voilà comment nous devrions tous combattre. D'accord. Très bien. Au revoir. Je comprends. Tu es très occupé. Ok, donc on va aller directement à Damas ou à Acre, peu importe. Damas, allez, hop. Tac, au bureau, directement. Si vous êtes repéré, tournez brusquement. Hop, donc voyons voir qu'est-ce qu'il a à nous raconter, ce cher monsieur. Mais c'est le héros de Damas. Viens, entre un moment. Tu vas pouvoir me conter tes aventures. Non. Je crains de ne pas en avoir le temps. Voilà. Je suis plus assez bien pour toi. On va cela. Non, non, bien sûr que non. En quoi puis-je t'être utile ? Al-Mu'ali m'a demandé à ce que je supprime ma dénommée Joubaïr. Ah, l'homme. On peut voir qu'il y a un petit chat ici, là, tranquillement. Enfin, je ne vais pas critiquer les choix du monde. Sans doute, c'est raison. Tu connais donc cet homme ? Il est très occupé depuis quelque temps. Vois-tu, il s'est mis en tête d'envoyer les savants prêcher dans les rues. De quoi parle-t-il ? De lumière et de feu, de péché à absoudre, d'ineptie si tu préfères. Sans parler de cette histoire de Nouveau Monde. Quelle est cette histoire de Nouveau Monde ? Je l'ignore, je ne prête aucune attention aux divagations de ces fanatiques. J'ai déjà assez de travail comme ça. Très bien. Il faut que j'aille à la rencontre de ces gens pour en savoir plus. Allez. Alors où dois-je commencer ? On va devoir enquêter. Il y a une université et une tour de garde au sud. C'est par là que je commencerai si j'étais toi. Une visite de l'hôpital à l'est s'impose également. Je m'y mets tout de suite. Quelle motivation ! Tu as changé ! Et en bien, si je puis me permettre. C'est cela, oui. Du coup... Voilà, merci. Il faut qu'on aille... J'ai pas écouté réellement... la carte.
Voilà. Donc j'imagine que c'est plus vers le sud qu'il faut qu'on aille. Donc je vais éventuellement aller là. Hop, merci de me laisser pas assez. Ouais, non, j'ai pas d'argent de donner. Tiens, salut informateur. Mauvaise nouvelle, j'ai tué un Templier ce matin. En soi, c'est plutôt une bonne chose, je te l'accorde. J'ai trouvé une lettre sur lui. Je l'ai confiée à Numeir. Il était censé te la remettre. Mais je peux lire sur ton visage qu'il n'en a rien fait. Bien, nous avons déjà assez perdu de temps. Trouve-le et récupère la lettre. Mmh, ok. Ah. Pas de temps de perdre avec le drapeau à la con là. Ah vas-y, péché. Monte là. Ok, j'espère qu'on est plus très loin. Ouais, on le voit, c'est bon. Tranquille. D'où tu tombes comme ça, toi? Ton visage m'est familier. Non, je suis familier de personne, moi. Altaïr, viens, prends ceci. Je t'ai vraiment cherché partout. Je vais enfin pouvoir revenir à Masyaf. C'est la dernière fois que je rends service à quelqu'un. Ok. Faut être sur mon passage, les boys. Donc là, on va du coup retourner au niveau. Au niveau d'un truc. Comme ça, là. Tout simplement. Histoire de dévoiler la carte. Et c'était bien au sud qu'il fallait qu'on aille. C'est bien. C'est pas un checkpoint, ça. C'est pas. Il y a quelque chose à faire là-dessus, non? Du point de synchronisation, ça n'est pas un, ça. Ça y ressemble. Eh bah oui, si, c'en est bien. Et ce que je me disais, il était pas marqué sur la carte, c'est pour ça. Parfait. Et du coup, on va pas avoir besoin d'aller sur l'autre. Ouais, on n'a pas besoin d'aller sur l'autre. Ah putain, il va casser les couilles. Vas-y, c'est de côté des bâtiments là. Et oui, je grimpe sur les bâtiments en face des soldats au calme. On n'a pas le droit d'être ici. Attends. Je t'aurai. Ah d'accord. Si tu veux. Reviens par ici. Allez, ciao. Altaïr, mon ami, nombreux sont ceux qui voudraient te mettre la main dessus. Ma tête aussi est mise à prix. Je pars à Masyaf avec ma famille dès cet après-midi. Tu pourrais terminer la dernière mission qui m'a été confiée? Je te donnerai des informations en échange.
Certaines personnes doivent être éliminées dans le quartier où réside Joubaïr. Fais vite. Ah oui, c'est parce qu'ils sont nombreux aussi. Cette cité est la nôtre, elle l'a toujours été. Et il est de notre devoir de la défendre. Ok, de deux. Les croisés. Regardez où vous allez, je vous supplie. Moi je suis. Qu'est-ce qu'il a fait ? Sors le temps ! Là, il va pas fuir. Ah, il faut vraiment pas que je me fasse repérer. Bon, bah on recommence. Ah, et ça va casser les couilles maintenant. Est-ce que je peux être tranquille, oui ou merde? Il est là! Putain! Vas-y. Il me cassait les couilles avec cette mission à la con. Hein. J'ai surtout devoir fuir pour essayer de faire disparaître les cadavres en fait. Je vais initialiser la zone. Commencer par l'autre mission du coup. Ils cherchent à dominer vos esprits en vous imposant leur savoir. Laissez-nous brûler ces écrits. Bro, t'es tout seul à parler, y'a personne qui t'écoute à part moi en fait. Et de faire du mal. On va le tabasser direct. Ok, y'a un petit monsieur là qui va s'en mêler. Ils cherchent l'antidote au poison qui contamine les cœurs et les esprits. Lui, il veut s'en mêler. Les textes présents dans vos foyers et vos écoles. Apportez-les nous et nous les détruirons. Ouais. Salut mec. Putain, il fait 2 points de vie Deux points de vie par coup, quoi. Mal le monsieur, quand même. Ayez pitié de moi. Putain, il est en train de fuir, le gars. Ok, bon, j'ai compris. Ça va casser les couilles, genre vraiment. Puissance 1000. Par contre, faut arrêter un petit peu de casser les couilles. Ok. Ah, pas appuyer sa bonne touche. Vraiment? Eh non mais c'est bugué là, ça se passe comment? Allez, suivant. Toi, t'as pas compris. Ah,
Allez. Au suivant, là, je vous attends. Faut rester concentré dans un combat. Elle meurt. Ah lui il est mort en se bouffant le mur. Genre normal, ok. Et toi là, t'es bugué, ça se passe comment? Au pire. Voilà. Génial. Je pensais que ça allait marcher. La caméra qui fait de la merde, c'est génial. Bon, au pire, toi tu... Non, toi tu casses, vraiment. Merci. Il va vraiment falloir qu'on nettoie la zone du coup. Pour faire le tour du bâtiment, ça devrait suffire. À faire des popées, tout ça. Retourner éventuellement à l'autre quête. Sois maudit, hérétique. D'accord. Va-t'en, paysan, je te vole le train. Si vous êtes pas mort en tombant, vous... Allez. Salut Skyzo. Tu pousses juste les gens. Il est devenu fou. Ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Je me battais avec eux, mais sans me battre en fait. Mais la vérité lui est apparue au grand jour. Et il a compris qu'il était de son devoir. Monsieur, de... monsieur, fermez votre gueule. Allez, importuner quelqu'un d'autre. Ouais, t'inquiète, vas-y. Va voir ailleurs maintenant. Ce n'est pas parce que nos pères. Ah putain, et pour chance, on tape son discours à la cour. On a vécu dans l'obscurité, que nous devons en faire de même. Voici l'occasion de tout recommencer. Jubair vous ouvrira les yeux, vous guidera vers la lumière. Jubair voit les choses avec clairvoyance. Il cherche l'antidote au poison qui contamine les cœurs et les esprits. Apportez-nous tous les textes présents dans vos foyers et vos écoles. Puis bon, qu'on lui tabasse sa gueule. Et nous les détruirons.
Bon, y a-t-il... Oui, il y a trop de gens ici, hein, clairement. On va essayer d'aller dans une nouvelle plus soft. Histoire de bien le tabasser sans être emmerdé. Par contre, ça va être long. Parce que là, il y a des gardes, il y a des bandits, il y a... Trop de gens. Ouais, on va le tabasser ici, hein. Allez, tape-le, il est au sol, tape-le, frère. Espèce de sourasse. Par contre, c'est un peu abusé là, les patates qu'il met. Surtout qu'il faut pas que je le tue. Mais non, mais il y a l'autre connard là qui vient se. Ah, ça casse les couilles. Là, je me protège juste histoire de régénérer un petit peu. Ouais, c'est un petit peu ça. Je vais encore devoir m'en défier. Voilà. Il manquait juste une patate à ce bâtard. Je suis de cet avis. Parle et je retiendrai peut-être mon épée. Pourquoi ton maître veut-il détruire tout ce savoir? Pierre par pierre, nous construisons une route vers des lendemains meilleurs. Une route que tous les hommes emprunteront bientôt. Je ne le vois pas ainsi. Les aveugles. Venez chez moi. Les mots écrits sur ces parchemins ne sont que poison. Jubaïr en a l'antidote. Il nous libérera de leurs mensonges. Ce discours n'a aucun sens. Tu as perdu l'esprit. Non, non. Je l'ai retrouvé. Je vois le monde tel qu'il est. Jubaïr m'a beaucoup appris. Il éclaire tout d'un jour nouveau. Un fanatique, un fou dangereux. Voilà ce que tu es. Fais ce que tu dois faire. Cela ne change rien, nous n'avons pas peur. Vous avez tort. Je fallait pas parler, bro. Je t'avais dit peut-être que je retiendrai ma larme. Et du coup, je l'ai pas retenu. Voilà. Lui, il est mort. Et parfait, ça nous emmène à cette mission. Faut éviter que je me fasse repérer, par contre. Ouais, forcément. Personne, c'est pas moi. Allez, une cible sur 5. Un grand honneur. Il n'y a pas de plus grande gloire que de mourir au nom de Dieu et de lutter pour sa mission. 2 sur 5. Viens jeter un coup d'œil. Tu ne seras pas déçu. Geste ignoble. Qui a bien fait ça? Où se cache celui qui a fait ça? J'ai beaucoup de choses à voir. J'en ai peut-être même trop. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Putain. Putain, le connard avec sa caisse. Le mec, il a fait tomber sa caisse et m'a fait repérer, quoi. Ah d'accord. Ayez pitié de quoi? Pas compris. Bon, faut à nouveau que je fasse le tour du pâté de maison, là, histoire de faire dépoper tout ce monde.
Voilà, ça devrait être suffisant normalement. Non, ça pas suffit. Bon, ça va pas bien là. Montre-toi. Où es-tu? Je sais que tu n'es pas loin. C'est un petit peu ça. Où es-tu? Je sais que tu n'es pas loin. Je fais mes courses, laisse-moi tranquille, je ne suis pas là. Alors, où te caches-tu? Il est là! Ça me casse les couilles, vraiment. Un gamin dérangé. Ouais, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu ça, ouais. Ouais. En fait, c'est qu'il est censé prier, en fait. Voilà, il est censé prier, tu vois. Enfin, l'air semblant. Monsieur Yamete-o. Clairement, il faut que je prenne hop, ce corps là si je peux. Je peux pas ramasser, genre. Ouais, bon, Osef. Je vais monter là, tiens. Infidèle, tu vas mourir. Alors, non, en fait. Alors, non, en fait. Genre normal. Mon perso là, il a bégayé. C'est le gamin chelou qui parle tout seul au milieu de nulle part. Ouais, un petit peu, ouais. Nye, je tape dans le vide. Nye. Ouais, non, mais c'est un petit peu ça, ouais. Par contre, si je regarde l'écran, c'est quand même mieux. Voilà. Paf. Toi, tu t'es. Et toi, tu meurs. Et bah. Vas-y, fuis, mon gars. Je suis censé pouvoir monter là, ouais. Là, faut que je fasse le tour pour trouver. Voilà, parfait. Parce que lui, il va me casser les couilles et l'archer. Et il en met du temps à tirer. Non, et moi, je ne tomberai point. Hop, la petite esquive de la deuxième flèche. Non, tombe pas. Depuis quand c'est illégal de grimper un bâtiment, quoi? Aïe aïe aïe.
débloquer, je peux faire d'autres enquêtes. Enquêtes qui devraient être plus simples que l'autre là où il faut assassiner les gens. Ouais, mais pas au point de se faire buter comme ça, quoi. Vous ne comprenez pas, je n'ai pas d'argent. Ferme ta gueule. Casse-toi. Genre, vraiment, casse-toi. Je suis qu'un prêtre. Passez votre chemin, je ne suis qu'un prêtre. Salut Krakouz. Pas buter, non. Après, ils sont un peu sous pression, ouais. Ouais, ouais. Tellement. Par contre, elles sont chiantes là, les. Allez travailler dans le coin de la rue plutôt là. Vous aurez des pièces, vous inquiétez pas. Ah, non, moi je voudrais espionner ce coup. Voilà. Ok, je peux pas espionner de. Asseyez-vous sur un banc. Ok. Mais par contre, elle va vraiment me casser les couilles aussi. Hein. Vous ne comprenez pas? Je suis pauvre. Ok, ce banc devrait y faire l'affaire. Ne partez pas comme ça. Je suis juste là, je pars pas. Ferme ta gueule. Je veux le voir. L'entendre parler. C'est possible. Cependant, nous nous méfions de ceux qui refusent d'être éclairés. Ils pourraient lui vouloir du mal. Ce sont des ignorants et des lâches. Tu sembles sincère, mais comment savoir si je peux te faire confiance? Je suis blessé de voir que tu te poses la question. Très bien. Nous nous retrouvons chaque jour dans la madrasa. Il commence par parler, puis nous guide dans la cité. C'est un petit peu ça. Afin de la purifier. Puis-je me joindre à vous? Sache que nous sommes engagés sur une voie périlleuse. Cette tâche requiert des sacrifices. Oui, je comprends. Au moins, elle aura plus besoin d'argent, elle aura de quoi manger. Ainsi, nous verrons de quoi tu es capable. Bon, espionnage terminé. Ah bah, toujours. Ah, elle s'est barrée pile au moment où j'allais lui en fournir une. Là, si je cours, je me fais spot instant. Ok, le soldat était aveugle, c'est parfait. En soi, je peux retourner au bureau. Hop, directement. Et Osef, les autres enquêtes. Regardez où vous allez. Je suis à ton service. Il a trouvé la force de défendre notre illustre civilisation. Ne vous le pas. Comment je l'ai poussé, hein? Fallait pas courir plus vite que moi, l'eau. Tiens, l'échelle est là. Je l'ai poussé avec une petite mandale dans sa gueule. Fou. Pas gentil. Bande d'or, hein. Quelles sont les nouvelles? L'ennemi n'a plus de secret pour moi. Je t'écoute, alors. Jobahir s'est mis en tête de purger la cité de tout son savoir. Quel crime, oh Dieu! Je comprends maintenant pourquoi Al-Mualim veut que tu le tues. Les savants de la ville lui prêtent main forte. Ils descendent dans les rues, agressent les habitants et réquisitionnent leurs manuscrits. Je crains qu'ils ne veuillent tout détruire. Il faut y mettre un terme. Je suis là pour ça. Il va organiser une assemblée à la Madrasa Al-Kalas. C'est là que je me rends. C'est là que je prendrai sa vie. Je te laisse te préparer. Je peux me barrer? Honneur à la fraternité. Ok. Merci, au revoir. Au revoir, j'ai dit. Laisse-moi sortir, là.
On m'a résible. Merci. Ah, il est pas facile la vie, hein. Enquête terminée, séquence mémoire 5. Ok, bah on va pouvoir aller tuer ce fameux Jubair. Ou du moins essayer de le tuer. Déjà, ça peut être pas mal. Hop. C'est loin ou ça se passe comment? Ah non, c'est pas si loin que ça. Alors par contre, Altaïr, si tu tombes, ça va pas le faire. Non, mais nique-toi. Quelqu'un sait pourquoi il fait ça? Il est devenu fou. Vas-y, descends. Merci. Ah, il va falloir qu'on escalade ce bâtiment, on dirait. Ah oui, on attend des crépitements de feu. Vous trouvez que ce sont des manières? Oui, tout à fait. Alors, pas que je veux pas là, mais genre, je peux pas escalader ça là, sérieux? Il se passe quoi? Je vais me dire qu'il va falloir que je sorte de l'ombre, ça quoi de... Ok, non, très bien. Que cette ville abrite doivent être détruits. Je t'en prie, ne fais pas cela, mon ami. Bonjour, je suis un assassin ultra visible. C'est pour une bonne et excellente... Faut juste lever la tête, les gens. Ah oui, et quelle est-elle? Ce sont des phares destinés à nous guider et à nous préserver de l'obscurité et de l'ignorance. Non, ces parchemins ne sont que des tissus de mensonges. Ils nous empoisonnent. Notre cible est là. Vous ne pourrez espérer voir le monde tel qu'il est vraiment. Pourquoi comparer ces écrits à des outils de destruction? Ils ne servent qu'à apprendre. Vous y cherchez des réponses et votre salut. Vous avez la faiblesse de compter plus sur eux que sur vous. Cela vous rend aveugle et stupide. Vous faites confiance à des mots, à des taches d'encre. Mais avez-vous déjà réfléchi à qui les avait tracés? Et pourquoi? Non. Vous ne remettez rien en question. Et si ces écrits étaient mensongers, comme c'est souvent le cas, ces écrits sont un danger. Vous avez tort. Ces textes sont les clés du savoir. Nous en avons besoin. Tu tiens vraiment à tes précieux parchemins? Tu ferais n'importe quoi pour eux? Oui, oui, bien sûr. Alors, rejoins-les! Alors, t'es pas censé mourir aussi rapidement par le feu, mais bon. Je considère quiconque tenant ce genre de discours comme une menace. Quelqu'un d'autre voudrait-il me défier? Au moins, là, le feu sera bien... Il y a une bonne bûche dans le feu, là. Hein. Bien entretenu. Ouais, qu'est-ce qu'il y a d'actuel? Et entassez-les dans la rue. Quand vous aurez fini, nous les chargerons sur un chariot afin qu'ils soient détruits. Au moins, il n'aura pas hurlé longtemps. Bon, qu'on aille voir le monsieur là. Alors pas seulement. Ok. Regarde un peu ce que tu fais. Écoutez tous, apportez-moi tous vos écrits et empilez-les devant moi. Les conserver serait un péché. Hey, à ton tour, boy. Bon, Eden.
ici. Attends. Alors eux je m'en fous, c'est au-dessus que je veux. Ah. Ah, merci. Aujourd'hui est un jour glorieux. Bientôt vous serez libre. Délivrez-vous de ces esprits maléfiques. Dégagez-vous de leur emprise. Car personne n'est à l'abri de leur influence néfaste. Faites des prières. Attention. Écartez-vous, dites infidèle. Au suivant. Alors non, j'ai dit au suivant. Alors, vous venez ou pas? Oui, il attaque pile au moment où j'étais censé tuer l'autre, c'est pas grave. Voilà, merci, au revoir. Hop. Encore deux par là, il faudra que j'aille à l'opposé. Ah, bonjour. Il y a du peuple là. Au moins, on fait couler ça à flot. Ça, pas dire le contraire. Reste couché. Ne touche pas. Fais pas chier. Mourez tous. Lui, il est sonné là. À quoi ça sert de m'enfuir si vous allez tous crever? Toi, tu t'es. Allez, t'es suivant sur la liste là. Merci, au revoir. Oui, c'est toi mon problème. Ah, ouf. Il m'a tapé dans les raquignacs. Eh oh, pourquoi tu fuis toi? Ah. Wow, wow, tout doux. Ok, 2 secondes, bro. Merci. D'accord. Pourquoi ça veut pas cibler correctement? C'est bon. Étoile! Étoile! Viens là, toi! Ils veulent pas, hein? Alors,
Pardon ? Qui c'est qui a pris la fuite ? Pour faire diversion, vous pouvez éliminer... Boah ! Sérieux ? Je pensais l'avoir tué, celui qui était en train de prendre la fuite, là. Sérieux, faut que j'en commence tous les points. Oh, fuck ! Ok, bon, bah, c'est parti. Ok, donc on va vraiment passer par au-dessus, ça sera mieux. Comme ça, il prendra pas la fuite. Voilà. Voilà, tu meurs. Merci, au revoir. Ah, tu veux pas que... D'accord. Pas de soucis. Ah, d'accord. Mais saute, Altaïr. Voilà, merci. Je t'ai pas dit de sauter avec lui, par contre. Bonjour. Je vais te passer les gens. Ah, par contre, toi, tu as. Voilà, merci. Arrête de faire chier. Hop, donc ici. N'importe qui peut coucher des mots sur un parchemin. N'importe qui. Allez, au revoir. Ouvre toi le mur, même pas. Ok, très bien. Voilà. Allez, ciao. C'est Ultra qui fuit. Ah d'accord. J'aime pas quand il faut des attaques violentes. Toi, tu te tais. Bon, bah, tant qu'à faire. T'es pas censé parler, toi? C'est un peu bloqué. Hein.
Des meufs. Ouais bon, aux effets. Tu veux pas parler, y'a pas de souci, hein. Alors, où est ma cible? Juste là. Ça c'est ciao. Je suis pas un paysan moi. Oh, qu'est-ce que tu veux toi? Peuple de Damas, purifiez cette ville du passé qui l'empoisonne. Peuple de Damas, purifiez cette ville du passé qui l'empoisonne. Bonjour, tu me vois pas là? Je suis juste en face de toi, boy. Attends juste qu'il se retourne. Peuple de Damas, purifiez cette ville du passé. Vous faites le bon choix, n'en doutez point. Cette ville vous honore. De ses cendres naîtra une nouvelle ère, une ère de vérité et d'unité. Où la sagesse. Empêchez-le d'approcher. Ah! Non, mais boy! Me laisse pas fuir, toi. Putain, Altaïr! Mais! Casse-couille! Ça va qu'il a pas couru loin. Voilà. Allez, c'est bon. Les hommes doivent être libres de leurs croyances. Ce n'est pas à nous de les juger ni de les punir. Même si nous sommes en désaccord. C'est chaud aujourd'hui quand même. Et alors? Pourtant, vous devriez savoir quoi faire. Leur montrer la voie, distinguer le bien du mal. C'est le savoir et non la force qui les libérera. Ils n'apprennent rien. Ils restent avec leurs idées bien arrêtées. Tu es bien naïf de penser le contraire. C'est une maladie. C'est toi la maladie, gros. Il n'y a qu'un seul remède à cette maladie. Tu te méprends. C'est pourquoi il faut mettre un terme à tes méfaits. Suis-je différent de ces précieux écrits? Je suis moi aussi. Une source de savoir qu'au fond de toi tu désapprouves. Et pourtant tu as bien hâte de m'éliminer. Je le fais pour le bien de tous. C'est un petit sacrifice. Pourtant ne sont-ce pas d'anciens écrits qui ont inspiré les croisés? D'anciens écrits qui ont mis Salah ad-Din et son armée dans une rage légitime? Ces textes sont un fléau pour l'humanité car ils appellent la mort. C'est un petit sacrifice que je faisais moi aussi. Peu importe maintenant. Tu en as terminé. Et moi aussi. Bon, retour au bureau des assassins. Fissa. J'ai Fissa, Altaïr. Ouais, non mais tous les ennemis qu'on tue, ils marquent tous des points. C'est juste que ce sont quand même de sacrés enculés quand même, quoi. Mais au moins, ils ont les couilles de le faire. Alors non, en fait, les gars. Voilà. Okay. On y arrive. Altaïr, tu viens me dire que tu as réussi? Oui. Les foyers allumés par Jobaïr se sont éteints comme lui. Excellente nouvelle! Je savais que tu réussirais. Tu aurais dû les voir. Les savants le suivaient de bonne grâce. Ils ne se contentaient pas de jeter des livres au feu, mais tous ceux qui s'opposaient à eux. Une telle ignorance n'engendre que le mal. Et tu as fait le bien aujourd'hui.
comme mes autres victimes, Joubaïr pensait faire le bien et montrer la voie vers un avenir meilleur. De telles divagations ne pouvaient qu'être l'œuvre d'un esprit égaré. Toutes ces choses que j'ai vues ces derniers temps, c'est comme si le monde devenait fou. C'est pourquoi nous devons lutter pour mettre fin à cette guerre. Le peuple a besoin d'être guidé. Et il est aisé pour des hommes comme Joubaïr d'exploiter sa détresse à leur profit. Va voir Al-Mualim, explique-lui ce dont tu as été témoin et informe-le du bien que tu as fait. Paix et sérénité, Rafik. Paix et sérénité. Quoi, je peux pas dire, mais on est quand même dans une secte d'assassins, quoi. Ouais, donc, voyage rapide, s'il vous plaît, non, je sais pas. Hop, oui. Et après, on aura plus qu'à aller à... Pousser les soldats. Acre, me semble. Sois le bienvenu. Quelles sont les nouvelles? Ça y est, Malam a fait une nouvelle victime. Alors la mission qui t'a été confiée touche à sa fin. Et ton honneur te sera rendu. Une question, maître. Puis-je? Parle, je t'écoute. Pourquoi ces hommes, Joubaïr et Sibrand? Ah, ne vois-tu pas? Ils ouvrent la voie au changement. Il ne faut jamais attendre que la menace se précise pour intervenir. Les affaiblir revient à affaiblir notre... Ouais, c'est un peu ça, Skye. J'y vois plus clair à présent. Si ces hommes poursuivent leur mission, c'est la nôtre qui s'en trouvera compromise. Est-ce possible? Nous leur avons causé beaucoup de pertes. Il ne suffit pas de frapper. Imagine que tu affrontes une hydre. Chaque tête qui tombe est aussitôt remplacée. Il nous faut trancher la tête immortelle pour en finir. Mais le moment n'est pas encore venu. Il ne reste plus qu'un seul homme qui se dresse entre nous et notre but. Je me remets au travail. Plus vite nous l'aurons éliminé, plus vite je pourrai affronter notre véritable ennemi. Avant que tu ne partes, moi aussi j'ai une question à te poser. Allez-y. Quelle est-elle, cette vérité? Nous n'avons foi qu'en nous-mêmes. Nous percevons le monde tel qu'il est. Nous prions pour qu'un jour l'humanité fasse de même. Et qu'est-ce que le monde? Une illusion. Nous pouvons nous y soumettre, comme beaucoup, ou la transcender. Pourquoi la transcender? Pour admettre que rien n'est vrai et... T'avais dit une question, connard! Les lois n'émanent pas... Pas une série de questions! Je réalise maintenant que notre credo ne nous ordonne pas d'être libres. Il nous ordonne d'être sages. Comprends-tu maintenant pourquoi les Templiers sont une menace? Nous voulons dissiper cette illusion. Eux s'en servir pour régner. Exactement. Pour façonner le monde comme ils l'entendent. C'est pourquoi tu t'es emparé de leur trésor et que j'ai mis celui-ci sous clé. C'est pour cela que tu dois les tuer. Si un seul d'entre eux survit, survivra aussi leur désir de créer un nouvel ordre mondial. Prends ton équipement. Trouve le dernier homme. Quand il sera mort, Robert de Sablé sera enfin vulnérable. Ce sera fait. Que la paix soit avec toi, Altaïr. Ouais, donne-moi mon équipement, là. Donc on passe à la suite. Hop, plus de santé, encore une fois, et du coup... Sapinisation, nouvelle attitude, expertise, lame courte. Donc plus de dommages. Plus de dommages avec la lame courte, ok, tout simplement. Mais qu'est-ce qui fait des ennuis? Sachant que la lame courte, au final, je ne l'utilise quasiment jamais. Qu'est-ce qu'il a à courir comme ça? Allez, direction Acre. Si vous êtes repéré, bousculez les gens. Si vous êtes repéré, bousculez les gens. Je vois pas en quoi ça va m'avancer. Par contre, descend. J'allais parler au monsieur d'abord. Bonjour, Altaïr. Quelle nouvelle? Je connais la prochaine cible. Un certain Sibrand. Oui, je le connais très bien. C'est le nouveau chef des chevaliers teutoniques. Il réside dans le quartier vénitien et administre le port d'Acre. Je me mets à la tâche immédiatement. Voici les lieux où il faut concentrer tes recherches. Sur les quais à l'est du côté des navires et de leur équipage. Ensuite, vers la chapelle au nord-est près de la croix qui surplombe le port. Et enfin au nord,
devant la porte Saint-Jean. Je te remercie. Voilà, c'est une possibilité, Skye, mais je pense pas. Altaïr. Oui, Rafik. Je te dois des excuses. Pour quelle raison? J'ai douté de ton dévouement à notre cause. Non, j'étais dans l'erreur. Je me suis cru au-dessus du credo. Tu ne me dois rien. Si tu le dis, mon ami, sois prudent. Ok. Donc il faut qu'on aille vers l'est. Hop. J'aurai ta peau. Ah, non, tombe pas comme ça, toi. Salut, toi. Oui, un templier en moins. Ah, bonjour. Bon, par contre, vous ressemblez étrangement à des croisés. À peine j'arrive dans la ville que je fais déjà 200 quoi. Pour la gloire du Seigneur. Non, toi tu t'es. Ah. Ton âme brûlera en enfer. Et un nouveau tapis. Magnifique, hein, ce tapis de cadavre. Allez, next. Peut-être passer ailleurs. Bon, ah ok, vas-y. Un meurtrier dans les parages, je vois pas du tout de quoi vous parler. Franchement. Ah, bonjour, je ne fais que passer. Je peux pas monter là. Par où est-ce que je peux grimper? Ah, va falloir que je monte depuis un bâtiment. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Après, c'est question religion, politique, tout ce qui en suit, quoi. C'est vraiment des points de vue. Alors, boy, boy, voilà, merci. Bon bah son cadavre lui il va pourrir ici jusqu'à jusqu'au prochain tour de garde. Clairement. Il a large le temps de pourrir. Au moins un petit peu. Si personne ne vient. Ah, l'informat. Je crois savoir que tu te renseignes sur Cybran. Oui. Karam a quelque chose qui te sera sûrement utile. Boy. Mais tu devras d'abord le trouver. Ok. Arrière! Je ne te laisserai pas. Prévenez-moi si vous l'apercevez. Ah, je suis juste là en fait. Prévenez-moi si vous voyez. Prévenez-moi. Je suis juste là, oui. Et bat. Prochaine hauteur.
On est large niveau temps. Paix et sérénité, mon frère. Je t'ai cherché partout. Non, tu m'as pas cherché, tu m'as attendu aujourd'hui. Lis-la bien, elle t'intéressera sûrement. Toi, tu vas décéder. Je t'ai dit décéder, bro. Voilà, bro. Ok, on a deux missions. Au! Je pensais pas que ça allait me tuer et encore moins ne pas m'agripper au mur. Ok. Bon, bah c'est pas grave, je ripop en bas. Ouais. Alors, monte. Bonjour. Il est demandé aux membres d'équipage de se mettre en rapport avec l'ordre pour intégrer sa flotte. Les capitaines de tous les navires amarrés sont invités à évacuer leur équipage, vider leur chargement et se présenter à un membre de l'ordre des chevaliers teutoniques en vue d'une nouvelle affectation. Tout manquement à cet ordre sera sévèrement puni. Ouais, et toi aussi tu vas être sévèrement puni, t'inquiète pas. Allez-vous-en tout de suite ou j'appelle les gardes. Ok. D'abord je te suis, après je te tabasse. Ah mais d'accord, je suis pas là, t'inquiète. Pour l'instant, on le suit tranquillement. Je vous en prie, messire, juste quelques pièces, pitié. Un peu d'argent, j'ai faim, il faut que je trouve de quoi manger. Vous êtes casse-couilles, mesdames. Tout ce que je demande. Fiche le corps. Ça me démange, hein. J'ai envie de le tabasser là. Il y a encore beaucoup trop de gens. Quand il veut qu'il va dans une ruelle ou quoi que ce soit pour qu'il y ait moins de monde. Je suis extrêmement surveillé. Ok. Ils reviennent. Augen offen. Er wird bestimmt wiederkommen.
Einmal schon habt ihr ihn verloren. Lasst ihn nicht noch einmal entfliehen. Autant récupérer ça. Par contre, toi, au bout d'un moment, je sais pas, toi que je te tabasse ici, non? Putain, enculé de garde! On fait annuler la mission du coup. Toi, tu t'es un peu là? Bon, faut que je retourne agresser l'autre. Vas-y, dégage toi. Et oui, faut encore se taper son discours. Les capitaines de tous les navires amarrés sont invités à évacuer leur équipage. J'essaie de le tabasser là, ici, maintenant. Se présenter à un membre de l'ordre des chevaliers teutoniques. Ouais, test de patience, mais vraiment pas. Tout manquement à cet ordre sera sévèrement puni. Ok, et si on le tabassait, genre ici, maintenant? Merci bien. C'est pas ma faute. Je ne fais qu'obéir aux ordres pour récupérer ton navire. Vois avec le tribunal. Je n'ai pas de navire. Mais alors? Sibrand a fait main basse sur près de 100 navires. À quelle fin? Pour établir un blocus. L'objectif est de les faire mouiller au large et d'empêcher tout accès. Dans quel dessein? Salah Adin entendrait-il agir par la mer? Ce n'est pas lui qu'il nous faut repousser. Mais les navires transportant les troupes de Richard. Pourquoi un homme appartenant au camp de Richard aurait-il un... 100 navires blindés de soldats, ça fait quand même pas mal. Demandons à Sibrand. Je ne fais que transmettre ses ordres. Maintenant, par pitié, laisse-moi. Je n'en sais pas plus. Désolé. Ok, tu vas mourir. Ma présence ici doit rester secrète. Allez, ciao. Du coup, on va essayer de passer par là. Voilà. Parfait. Non, mais autant... Ah, d'accord. J'aurais dû rester dans la boîte de paille. Oh putain, c'est vrai qu'on s'est pas nagé, nous. Ah, c'est très... Ouais, très risqué. Notre personnage ne sait pas nager du tout. C'est un attardé mental par rapport à ça. Vas-y, on passe par là tout le coup. Hé, hey, toi, l'ivrogne, tu fais pas chier. Je voulais juste... C'est pas censé tuer, hein. Bon, en soi, on dirait bien que les PNJ ne savent pas nager, non.
Secourir les citoyens. Non, 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 qui se démerde un petit peu. Mais... D'accord. Où toi, l'ivrogne? Où toi, l'ivrogne? Putain d'ivrogne de ses morts. Je te fous une patate, voilà. Putain, vas-y. Va casser les couilles, l'ivrogne. Quoi? Tu es l'épée du Seigneur? Tu rigoles? Voilà, meurs. Boy. Vas-y. Puis si tu veux. Moi, c'est par là qu'il faut que j'aille. Peut-être connard d'Ivron, je sais pas où est-ce qu'il est du coup. Putain, mais comment je fais pour... J'ai oublié de faire le grand tour. Faut que je trouve un accès. Genre là, c'est pas mal. Hein. Ouais. Bonjour, je ne fais que passer. Il n'a rien à faire ici. Dis-moi le temps. Ok, je suis là. Je reconnais à peu près. Monsieur, arrêtez de hurler, vous faites peur. Tu as dû te battre pour arriver jusqu'ici ou on t'a laissé entrer? Les deux. Mais je ne devrais pas te manquer de respect. Après tout, j'ai besoin de ton aide. Hier soir, j'étais dans une maison de plaisir sur le port et j'aurais, paraît-il, insulté la femme d'un chevalier teutonique. Maintenant, j'en ai plusieurs aux trousses. Tu pourrais m'aider, avec ton épée si nécessaire. Si tu reviens avant que je quitte la ville, je te prodiguerai des conseils très avisés. Et il nous laisse 3 minutes. Hein. Pour quelle raison est-ce qu'il a fait ça? Alors, un petit peu de patience. Là. Mais mec, voilà. Ouais, tu voulais juste un petit câlin au final. Le dernier là. Non, tiens, descend. Et ce bâtard d'ivrogne. Allez. Je suis juste devant vous en fait, les gars. Putain, je me suis fait repérer du coup. Fallait que j'aille parler à l'autre avant de me faire repérer. Oula, calotte. Bon bah lui, il a tué son pote. Allez, quand vous voulez. Quand vous voulez que vous mouriez.
Toi, tu t'es, l'eau. Ah, d'accord. Putain, mais c'est un templier, ça, je reconnais. Allez, 1v1. Eux, les Templiers sont censés être très très féroces. Censés. Il est mort de... D'accord. Je l'ai poussé, il est mort. Ouais. Ok. Ah, ça va être casse-couille, ça va être très casse-couille. Monsieur, Yamete, arrêtez de suivre votre pote, l'eau. Oh non, mais ça va me péter les burnes, sérieux. C'est quoi tous ces soldats, l'eau? Je veux savoir où est celui qui a fait ça. Il est blessé et qu'il ne compte pas sur moi pour l'aider. Je vous en prie, faites quelque chose. Ibtal wird mit dem Tod. Allez, toi t'es aveugle. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutent tous là? Allez, ça me casse les couilles. En fait, toi, t'es un faux templier, toi. C'est quoi avec le ragdoll? Au moment ça casse. Ouais, ce que je vais faire au pire c'est hop. Non, toi tu t'es, voilà, tu me laisses tranquille, je me balade juste. Putain. Ah ouais, d'accord. Bonne contrôle atteint, nice. Génial, si je meurs, je réapparais là. Quelle joie. Ah, ok. Bon, bah c'est pas l'endroit où est-ce qu'il faut qu'on grimpe, clairement. Ici, peut-être. Non plus.
Ouais, sur le côté là, ok, très bien. Avec l'échafaudage. Ok. Espérons qu'il y ait une autre mission plus facile que cette merde. Enfin, plus facile. En soi, la mission elle est facile, mais c'est juste qu'elle est casse-couille, quoi. Je crois que je suis censé synchroniser de là où il y a l'aigle normalement. Oh bah y a pas de ce que je voulais ici. Je vais tenter une dernière fois avec le petit monsieur loup. Un meurtrier dans les parages. Putain. En fait ça, j'aurais peut-être pas dû. Hein. Je confirme. Oh putain, oui, je confirme, j'aurais pas dû. Voilà, allez, niquez vos races. Ça, c'est un vrai templier, ça. Avec les petits cailloux qui volent. Ok, nickel, il y a une autre caisse par là. Tu peux sortir? Voilà, merci. Et toi, t'as de me faire chier. Voilà. Ça c'est ciao. Toi, oui, toi. Je reconnais cet accoutrement. Rengaine ton épée, je ne te veux aucun mal. J'ai seulement besoin de ton aide. J'ai contrarié un homme et maintenant il veut me tuer. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Disons que j'avais mes raisons. Escorte-moi jusqu'aux portes de la ville. Je saurai te récompenser. Ok. Mission d'escorte. Ça va être long. Mais putain de PNJ qui... Ok, j'aime pas du tout la lame corse. Bon, et d'une étape. Il y a encore monsieur qui va venir casser les couilles. Même pas. Mais il est mort. Il fallait juste qu'il soit pas sur le passage. En effet, c'est pas bien difficile.
Du coup, je les ai fait fuir. T'es censé les affronter, je les ai fait fuir. Le mec, il court tranquillement avec un couteau dans le dos. Excellent. Le voilà en sécurité. Ah, oui. La récompense. La voilà. Cette carte m'a rendu bien des services. J'espère qu'il en sera de même pour toi. Ok, nice. On peut enfin retourner à notre cher bureau des assassins, histoire d'accéder à la suite de l'aventure. On peut dire ça comme ça. Ouais. Alors non, c'est faux. Ouais, d'accord, c'est génial. Ok. J'escalade, bro. Ok, bureau des assassins, on y est. Par contre, arrête de bugger, Altaïr, s'il te plaît, merci. Bonjour, mon frère. Qu'en est-il de tes recherches? Je sais tout ce que je dois savoir sur l'homme à supprimer. Très bien, alors je t'écoute. On raconte que Sibrand a cédé à la panique. Ouais. L'idée de savoir que sa mort est proche le rend fou. Il a condamné le quartier du port, et maintenant il s'y terre en attendant l'arrivée de son navire. Voilà qui va te compliquer la tâche. Comment peut-il avoir eu vent de ta mission? Les hommes que j'ai tués, ils se connaissaient tous. Al-Mualim m'avait prévenu qu'ils étaient informés de mes exploits. Tiens-toi sur tes gardes, Altaïr. Bien sûr, Rafik. Vois-tu ce qui est à mon avantage? C'est que la peur l'affaiblit. Avance rapide vers une séquence plus récente. Ça, c'est fait. Hop, direction. L'objectif principal. Encore 100 et quelques mètres. De quoi a-t-il peur, cet imbécile? J'ai pas peur, je cours juste pour voyager d'un point A à un point B en allant plus vite, c'est tout. Ah! Vous méprenez, Maître Sibrand. Je ne risque pas de prôner la violence contre qui que ce soit. Et certainement pas vous. Que vous dites? Et pourtant, personne ici ne répond de vous. Alors, que dois-je en penser? Je mène une vie simple, Monseigneur. Comme tous les hommes d'Église. Je ne fais rien qui pourrait attirer l'attention. Peut-être. Ou peut-être n'êtes-vous pas Tony, car vous n'êtes pas un homme de Dieu, mais un assassin! C'est faux. Un vieillard comme lui. Les assassins s'habillent comme nous, pour semer le doute et la peur. Ne vous y laissez pas prendre. Vous insinuez que je suis naïf? Vous défiez mon autorité? Peut-être même, espérez-vous retourner mes chevaliers contre moi? Non, je ne comprends pas votre attitude envers moi. Je n'ai rien fait de mal. Étrange cette manière de réagir, alors que je ne me rappelle pas vous avoir accusé de quoi que ce soit. Ressentiriez-vous le besoin de vous confesser? Confesser, mais quoi donc? Ah, vous m'aurez provoqué jusqu'au bout. Que voulez-vous dire?
Guillaume et Garnier étaient trop confiants. Et ils ont payé cette confiance de leur vie. Je ne ferai pas la même erreur. Il est tombé de la paranoïa. C'est vraiment un homme de Dieu. Alors, le Créateur ne vous laissera pas en reste. Voyons s'il retient mon bras. Vous êtes devenu fou. Personne n'a donc l'intention d'intervenir. Ne voyez-vous pas que cet homme est aveuglé par la peur? Il voit des ennemis là où il n'y en a pas. Apparemment, le peuple partage mes soupçons. Ce que je le fais pour le bien d'Acre. Oh bah un homme d'église en moins. On peut dire que ça fera une retraite en moins. Signalez toutes les activités suspectes à la garde. Je suis sûr qu'il reste encore des assassins. Ils sont la vie dure. Le spectacle est terminé. Plus tôt on l'aura tué, mieux ce sera celui-là. Faire comment moi on peut passer. Qu'ils me disent rien si je passe à côté. Loul. Non, bâtard de. Ayez recours à des contre-attaques pour prendre l'avantage. On va essayer de prendre le chemin plus long. Ça va être de se faire repérer. Bien de popper comme ça les gens. Oh. Si vous l'apercevez, ne le laissez pas s'enfuir. Ah d'accord. Ne fais pas ça. Aurais-tu peur? Évidemment que j'ai peur. Tu seras bientôt en sécurité, entre les mains de ton dieu. Mes frères ne t'ont rien appris. Je sais ce qui m'attend. Ce qui nous attend tous. Si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce alors? Rien. Il n'y a rien après. C'est bien cela qui m'effraie. Tu n'es donc pas croyant. Mais comment pourrais-je l'être après tout ce que j'ai vu? Notre trésor en est la preuve. La preuve de quoi? Que nous n'avons qu'une vie. Prolonge-la quelques instants, en me disant quel était ton rôle. Établir un blocus par la mer, pour empêcher ces stupides rois et reines d'envoyer des renforts une fois... La Terre Sainte conquise? Libérer, imbécile. De la tyrannie et de la foi. Libéré, vous avez renversé des cités, asservi des hommes, assassiné tous ceux qui sont contre vous. J'ai exécuté des ordres pour défendre une cause, tout comme toi. Et là, ça va être la guerre. Non, je peux pas mourir justement. Non. Ah, bonjour vous. Vous direz
Allez, grimpe. Altaïr, tu fais chier. Ouais, tu fais vraiment chier, Altaïr, là. Tu abuses. Putain d'archer. Que le Seigneur ait pitié de ton âme. Diable incarné, je vais libérer ton âme. Pour la gloire du Seigneur. L'archer va me casser les couilles, voilà. Ah, tu trembles bizarrement là. Cul de merde. Tiens, meurs. Tout ce que tu mérites. Putain, le gars il essaie de me tuer avec ses flèches et... En contrepartie, faut que je le laisse vivre quoi. Non mais quoi? Sérieux? T'inquiète, je vais quitter les lieux. Merde, on était juste là. Bah, au pire. Parfait. Altaïr, toute la ville est en émoi. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai pris la vie de Sibrand. Oui, en effet, c'est ce qu'on dit. Tu devrais faire route vers Masyaf et en informer Al-Mualim. Oui, je devrais aller lui parler. De cela et d'autres choses. Est-ce que tout va bien, mon ami? Je te trouve distant. Ce n'est rien, Rafik. J'ai juste l'esprit occupé. Confie-toi à moi, je peux t'aider. C'est à moi de remettre de l'ordre dans mes pensées. Mais merci quand même. Tous ces hommes que tu supprimes. Tu as mauvaise conscience. Comment ça? Ah, mon ami. Tu n'es pas censé prendre plaisir à tout cela. Le regret, le doute, la sympathie sont des sentiments naturels. Et ne devrais-je pas les craindre? Mais non, au contraire. Ils font ton humanité. Et si j'avais tort? Et si ces hommes ne devaient pas mourir? Qu'ils soient mal avisés, je le concède. Mais leurs intentions étaient peut-être louables. Je ne suis qu'un Rafik et ces questions qui te hantent me dépassent. Peut-être Al-Mualim t'aidera-t-il à y répondre. Oui, peut-être. Merci, Rafik. Servir aux côtés de quelqu'un d'aussi compétent est un plaisir. Ouais. Avance rapide vers une séquence plus récente. Alors, normalement, une petite téléportation. J'ai beaucoup de terrain en vie. Notre marge de manœuvre est très limitée. Où qu'il soit caché, il faut le récupérer. J'y travaille. Bien, et ensuite? On s'occupera de lui. Tenez-moi au courant, demain, dans la matinée. J'ai un travail urgent à terminer. Je vous donne quartier libre pour la soirée. On va parler à la dame, si on peut. Je crois qu'il y a un problème avec l'animus. Non, tout est en ordre. Non, je suis sûr qu'il m'a éjecté au moment et où... Et moi, je suis sûr que tu devrais la boucler. Est-ce que tu voudrais bien me dire ce qui se passe? On doit les arrêter, Desmond. Quand ils accéderont à ton dernier souvenir.
Ils n'en sont plus très loin. Ils essaieront de tout changer. Notre façon de vivre, notre façon de penser, notre façon d'être. Vidict a fait son petit sermon sur ce qui va mal dans le monde. Comme quoi nous avons besoin d'ordre et de discipline. C'est ça qu'il nous prépare, sans nous demander notre avis. Mais comment ? Le trésor des Templiers. Il pense qu'il... Mademoiselle Stima, vous écoute. Chargez les souvenirs de Desmond dans la base de données. Je m'en occupe. Voilà, voilà. J'ai pas fini de te parler, toi. Trois ans pour s'asseoir. Et tout ce qu'ils attendent de moi, c'est que je retrouve le trésor des Templiers ? L'orbe d'Éden, comme ils l'appellent ? Oui. Toutes les pistes convergent vers Masyaf. Je ne comprends pas pourquoi ils me font perdre mon temps. Ils n'ont qu'à envoyer une équipe pour le récupérer. Impossible. C'est plus compliqué que ça. Ils détenaient l'artefact de Masyaf. Jusqu'à ce qu'il soit détruit, lors d'un accident. Mais alors, qu'est-ce qu'ils attendent de moi ? Ou de mon ancêtre ? Ils espèrent qu'il leur indiquera la cachette des autres. Tu veux dire qu'il existe plusieurs trésors ? Oh, tu n'as pas idée, Desmond. Et hop, encore un coup de fil. Un problème, Mademoiselle Stillman ? Absolument aucun, Warren. Tout est Denver. Dans ce cas, où sont les fichiers ? Où sont les fichiers ? Ta gueule ! Si je ne transfère pas ces fichiers, il va finir par se méfier. On en reparlera plus tard. Ouais, ouais, on va faire dodo. Passer la journée. Retourner dans l'Animus. Et faire ce qu'on a à faire. Ah, caméra de merde. Merci. Le temps presse, monsieur Miles. Oui, oui, j'arrive. Tout sera bientôt terminé. Et après ? Vous verrez. Qui sait ? Ils vous laisseront peut-être assister au spectacle. Ça n'a rien de terrible. Écoutez, je sais que vous n'allez pas me laisser partir. Alors accordez-moi une faveur et dites-moi ce qui se passe. Ne vous moquez pas de moi, monsieur Miles. Vous en savez déjà suffisamment. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Bien sûr que si. Alors laissez-moi au moins vous poser une question. Oui ? Ce que je vois dans l'Animus, parfois, ça a l'air incohérent, inexact. Et comme l'histoire est révolue, je me demandais... Vous vous demandiez quoi, monsieur Miles ? Ah, je vois. Vous vous dites que ce que vous avez vu ne colle pas toujours avec ce qu'on vous a appris en cours d'histoire. Laissez-moi vous poser une question. Croyez-vous vraiment que les connaissances de vos professeurs étaient plus pointues que les nôtres ? Les livres, la correspondance, les documents qui remontent à cette époque... Tout est en parfaite contradiction avec ce que l'Animus restitue. Écrire un livre est à la portée de tout le monde. Puis-je vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on lisait partout que la Terre était plate. Pour certains, elle l'est toujours. Et ceux-là défendent leur théorie bec et ongle. D'autres affirment qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Le livre parmi les livres ne prétend-il pas que la Terre a été créée en 7 jours ? Et c'est le plus vendu. Où voulez-vous en venir ? Au fait... que vous ne devriez pas croire tout ce que vous entendez, ce que vous lisez. Votre ancêtre lui-même n'affirmait-il pas que rien n'est vrai ? Et que tout est permis ? Exactement. C'est ce qui rend l'Animus si fantastique. Il n'y a pas de place pour une mauvaise interprétation. C'est vous qui le dites. Et je n'en démords pas. Bien. À présent, pouvons-nous commencer ? Oui. Ça pourrait être pas mal, en effet. Histoire de... d'en terminer avec toi, alors, monsieur le scientifique. Oui. Continuez. Je passe avec la Zoulek. Pas mal, tirer toi. Si vous n'avez plus de couteau de lancer, notre jeune disciple, nous avons tant à nous dire. Nous touchons au but, Altaïr. Robert de Sablé est désormais le seul obstacle qui nous sépare de la victoire. S'il meurt, l'ennemi sera désorganisé et sans richesse. Le trésor des Templiers sombrera dans l'oubli et avec lui, la menace qu'il représente.
Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ce trésor a pu engendrer le chaos. L'orbe d'Éden n'est que le reflet de nos tentations. Regarde ce qui est arrivé à De Sablé. En goûtant à son pouvoir, il a précipité sa propre chute. Il y a vu non pas une arme dangereuse à détruire, mais un moyen de réaliser ses propres ambitions. Alors il avait soif de gloire. Oui. La dernière fois, il avait dit que comme le trésor, là, qui est sur la table, qui ressemble à une sorte de il rêve encore. Pôle en forme d'œuf, voilà. Mais c'est pourtant à cause de cet homme que la Terre Sainte s'est embrasée. Il avait dit qu'il avait foutu sous clé. Comment peux-tu être à ce point pourquoi il est là alors que c'est toi qui m'as ouvert les yeux. Je ne vous suis pas. À quoi aspirait-il, lui et ses partisans? À un monde plus solidaire? Je respecte son ambition, je la partage. Ce sont les moyens que je condamne. La paix est une chose qui s'apprend, qui se comprend et qui s'épouse. Lui voulait l'imposer. Quitte à nous priver de notre libre arbitre. Étrange de penser à lui comme ça. Nous ne devons pas cultiver la haine de nos victimes. La haine est un poison qui obscurcit notre jugement. Ne pouvait-il être convaincu qu'il cesse cette folie? Je lui ai parlé à ma façon, à travers toi. Chaque assassinat était un message. Mais il n'a pas daigné en tenir compte. Dans ce cas, il me reste une dernière chose à faire. C'est à Jérusalem que tu l'as affronté pour la première fois. Il y est toujours. Tu trouveras la force d'accomplir ce dernier sacrifice. Pars, Altaïr. Il est grand temps d'en finir. Oh, ça oui. Hop, nouvelle amélioration. Augmentation d'ADN, pof, plus de santé, encore une fois. Et plus de dégâts à l'épée. Ainsi qu'un gain supplémentaire de couteau de lancer. Ok. On dirait qu'il a une carte sur les ouais, notre épée est devenue goldée. Du coup, direction Jérusalem, enquêter sur notre dernier sacrifice afin de tuer quoi, tout simplement, de l'effectuer. Pour ça, on va d'abord commencer par prendre des informations avec ce sacré phénomène. Que la paix soit sur toi, mon frère. Le destin semble nous jouer des tours, on dirait. Alors c'est vrai? Robert de Sablé est à Jérusalem? J'ai vu ces chevaliers de mes yeux. Cet homme est un véritable démon. S'il est ici, c'est qu'il prépare un mauvais coup. Je ne lui laisserai pas le temps d'agir. Ne laisse pas la rancune obscurcir ton esprit. Nous savons tous deux où cela peut mener. Sois sans crainte. Je ne l'ai pas oublié. Je ne cherche pas à me venger, mais à comprendre. Alors tu n'es plus l'homme que je connaissais. Mes missions m'ont beaucoup appris. Des secrets m'ont été révélés. Mais je ne parviens pas encore à assembler tous les éléments. Que veux-tu dire ? Tous ceux que j'ai envoyés dans l'autre monde travaillaient pour Robert de Sablé. Cet homme prépare quelque chose. J'en ai l'intime conviction. Mais comment et pourquoi, où et quand, ça je ne le sais pas encore. Les croisés et les sarrasins travaillaient de concert? Non, ce ne sont pas eux. Ils ne sont pas en cause. Ce sont les Templiers. Les Templiers font partie de l'armée des croisés. C'est ce qu'ils veulent faire croire au roi Richard. En vérité, ils ont fait allégeance à Robert de Sablé. Ils y voient un moyen de mettre fin à la guerre. Ton histoire est très troublante. Tu n'as pas idée à quel point, Malik. Mais dis-moi où tu les as vus. Je vais essayer de le trouver avant qu'ils ne partent. À trois endroits différents. À l'ouest, près d'une tour de garde et d'un hôpital. Et au sud-ouest, dans l'église du Saint-Sépulcre. Essaie d'en savoir plus. Je ferai pareil. Je m'y mets tout de suite. Quelque sorte, il faut qu'on aille à l'ouest et au sud-ouest. Donc principalement par là. Tu n'es qu'un sale voleur. On a vu un petit freeze, mais c'est pas grave, c'est rien du tout. Hop.
Alors, ici, il y a un petit point de synchronisation qui va nous permettre éventuellement de dévoiler une partie de la carte et éventuellement trouver des missions plus facilement. Ok, je m'en vais, t'inquiète. Pas de mission dans ce secteur, ça doit être plus par là, hein. Clairement. Hop, on va aller ici. On va devoir aller ici. Bizarre. Vous ne comprenez pas ? Je suis pauvre. Oui, bah, t'as qu'à te démerder. Il va finir par se blesser. Quand on veut s'en sortir de la vie, on s'en sort toujours. Pas besoin de dire qu'on est pauvre. Voilà, ça avance à rien. Allez, laissez-moi passer comme ça. Voilà, merci bien. Vous êtes aveugle ? Quitte les lieux. Ok. Voilà. On monte. Altaïr, arrête de faire le con. Vas-y, ça s'ouvre. Ah, ça saoule vraiment par contre. Allez. Ce serait bien qu'il grimpe correctement un peu, monsieur. Oh, il y a un mec à tabasser juste en dessous. On l'entend. De Jérusalem, nous nous trouvons à la croisée des chemins. Faisons un pas dans la bonne direction pour que la paix règne à nouveau. Accueillez les croisés comme des frères, ouvrez-leur les bras. C'est ainsi que nous pardonnerons les péchés du passé. Ce sera alors le début d'une ère nouvelle. Nous devons être forts, nous devons être braves, nous devons trouver le courage de regarder en face ceux que nous appelons nos ennemis pour leur proposer notre amitié. Si les croisés sont venus ici, et c'est Strakmum. Fin au combat, comment ça va? Pour mettre fin à la guerre, pour que nous soyons unis, nous devons les écouter, pas leur tourner le dos. Lui, il va falloir le suivre un peu plus. Ouais, dans la rue, ça paraît pas mal. Là, on est bien. Je devrais m'interposer. Je vais l'avoir à lui dire. Ah, raté. Mal le monsieur quand même, hein. Voilà. Tu parles de paix, mais tes mots sont vides de sens. Non. Pourquoi dis-tu cela? Je détiens la vérité. Tu es un templier. En effet. Tu es donc un menteur et un imposteur, tout comme ton maître. Où est-il? Que prépare-t-il? Il prépare la paix, j'en fais serment. Il veut mettre fin à tout cela, et il le prouve aujourd'hui. Un chrétien aux funérailles d'un musulman. Il le fait pour parvenir à ses fins.
Nous défendons une noble cause. Cette terre se rassemblera sous notre bannière. Oui, par la force. Vous ferez de nous des esclaves. Un mal pour un bien. Non. Tant que mes frères et moi vivrons, vous ne réussirez pas. Et encore un connard de moi. Là, c'est fait. Alors, il y a une élimination de... Élimination d'archers sur la droite. Enfin, pas de nous, du coup. Et une course d'information derrière nous. Alors, ça serait pas mal que Altaïr puisse grimper correctement. Là. Voilà, merci. Ok. Altaïr, mon ami, tu dois m'aider. Malik m'a chargé d'éliminer plusieurs archers dans la zone, pour que nos frères puissent se déplacer sans encombre. En temps normal, je l'aurais fait sans problème, mais ces funérailles ont changé la donne. Les meilleurs hommes de la garde ont été déployés en ville, et je ne suis pas vraiment de taille contre eux. J'ai deux services à te demander. D'abord, élimine les archers. Ensuite, ne dis pas à Malik que j'ai échoué. En échange, je me renseignerai sur de Sablé. Vas-y, prends l'échelle. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il lui prend ? Et d'un. Hop, 2 sur 4. Je peux faire comme ça. Alors, cible-le, s'il te plaît. Merci. Hop, direction le dernier archer. Ok, je peux faire comme ça. Et je crois que c'est un échec. À cause de ce dernier. Ouais, tout à fait. Putain, le bâtard. Il se serait pas retourné. Il m'aurait pas vu lancer le couteau. Il serait mort tranquille. Et il m'aurait pas fait chier. Non, mais là, par contre, c'est vraiment du foutage de gueule. Vraiment. Il ne m'échappera pas. On recommence. Encore une fois. Puis on va passer par là. Parfait. Donc